Pour l'heure, Stéphane Bern coule des jours heureux et paisibles dans sa maison du Perche. Au quotidien, lorsqu'il n'est pas devant les caméras, le spécialiste de l'histoire de France se ressource aux côtés de son compagnon, Yori Baïres, et de ses deux chiens, Attiron Gardet. Si est-il d'ailleurs dans ce village de l'Eure et Loire que Stéphane Bern compte reposer en paix lorsqu'il aura rendu son dernier souffle. Je serai enterré ici, et j'ai tout prévu, a-t-il annoncé à Gala, dans un sujet à lire dans l'édition en kiosque ce jeudi 27 juillet. Stéphane Bern ne sera pas inhumé au cimetière du village. Sa maison dans le Perche, achetée en 2013 puis entièrement rénovée à ses frais, verra sa fonction officielle changer au moment de la mort du propriétaire. Comme le Collège Royal reviendra après moi à la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine, ce ne sera plus une résidence privée. J'ai donc obtenu du préfet l'autorisation d'y avoir mon tombeau, a précisé l'animateur de télévision et de radio de 59 ans, à Gala. Le présentateur du village préféré des Français a même d'ores et déjà creusé l'emplacement de son tombeau, tout est donc déjà prêt. Mais rien ne presse. Je ne suis pas Sarah Bernard, je ne dors pas encore dans mon cercueil. Stéphane Bern bientôt à un homme marié? Avant de penser à sa fin de vie, Stéphane Bern profite de chaque instant. Depuis 2 ans, l'ami du couple présidentiel est épanoui sentimentalement, dans les bras de Yori Baïres. Cet entrepreneur le comble de bonheur, après une évidence amoureuse qui s'est imposée à eux dès les premiers regards échangés. Depuis, les deux amoureux ne se quittent plus, enchaînent les déclarations d'amour et les moments de complicité publiquement. Se dirigent-ils désormais vers une nouvelle étape dans leur couple avec un mariage? Nous sommes pacsés et cela nous convient très bien, s'est montré catégorique à ce sujet Stéphane Bern, dans les colonnes d'Ici Paris, ce mercredi 26 juillet. Crédit photo, Perrusso Véan.